Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur Super Maca Simulator. Et le dev nous a entendu. Un patch est arrivé. Je vais rentrer dans le magasin pour que vous m'entendez mieux. On a l'augmentation progressive de l'écart du nombre de clients à chaque niveau de magasin. On a un ajout de comptoir d'enregistrement à ouverture et à fermeture. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Les caissiers se déplacent vers n'importe quel comptoir disponible lorsque leur comptoir est fermé. Donc leur caisse, hein, voilà. On a le Steam Cloud, on a un système de sauvegarde des fichiers de sauvegarde, ça j'ai pas tout compris. Un système de sauvegarde automatique pour sauvegarder à chaque fin de journée, donc ça c'est cool. On a ajouté un bouton de sauvegarde dans le menu paramètres, paramètres, bouton sauvegarder, ok, on va dire, ouais, ok. Ok, ok. On a la correction du bug provoquant la corruption des fichiers de sauvegarde, donc ça par chance je ne l'ai pas eu. Si vous rencontrez le bug toujours, veuillez vous assurer de désactiver votre logiciel antivirus. Correction de certains bugs visuels comme la traduction japonaise. Non, correction de certains bugs visuels. Correction de la traduction japonaise du menu de réapprisonneur et du texte verrouillé sur la porte de stockage. Correction des boîtes qui restent en l'air. Correction des visuels de thé vert et équilibrage du nombre d'articles dans la boîte et sur l'étagère. Alors, voyons voir. Thé vert. Il est où mon thé vert à moi? Ah mince. Il est là-bas. Ok. Ouais, je sais pas si ça a changé. Correction des coûts des employés non payés au début de chaque journée. Modification de certains produits. Et correction des filtres pour les produits sur l'application de marché qui ne fonctionnait pas. Ok. Donc techniquement, si on fait ça... D'accord. Bon du coup, rends-moi ma caisse, s'il te plaît. S'il te plaît, là... Allez là, rends-la moi. Merci. Donc on a du lourd, j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, je suis level 90. Donc je pense que je vais mettre une caisse en plus, juste au cas où. Parce que si j'ai bien compris, il y aura plus de clients en fonction du level du machin. Donc je veux assurer le coup. Et on va faire le retour de Marc. Alors, on va faire 2-3 jours ensemble. Pourquoi 2-3 jours? Tout simplement parce que bah, je veux XP encore. Hein. Et je comptais XP dans mon coin. Puis il y a eu la mage qui est arrivée. Du coup, je me suis dit, ok, let's go, on va... Oh, punaise, j'ai fait une connerie. J'ai fait... Hop, voilà, merci. J'ai fait... Bon, bah, let's go, on va voir cette mage, on va voir si c'est vrai. Parce que s'il y a plus de clients... Techniquement, ça veut dire une chose, il y a plus de pognon. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai réapprisionné ça avant tout normalement. Il y a quelques petits défauts, il y a là aussi. Ah oui, attends, on m'a dit de mettre le dernier. Alors c'est pas du papier toilette, hein, je le redis, c'est du sous-palin. Et en fait, je peux pas le mettre là. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà pourquoi je peux pas. I can't. Et là-bas, non, parce que ça va s'enlever. Donc faut attendre que ça soit agrandi. Pour que je puisse le mettre. Mais voilà. Je ne peux pas ici parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est débile, il manque grosso merdo 5 mm, un truc comme ça. Je ne peux pas. Vous êtes beaucoup à avoir récupéré mes sortes de petits îlots là comme ça, là, mes rayons comme ça. Donc je suis content moi, je suis hyper content que ça vous plaise, hyper content que le rayon BD vous plaît, enfin livre. Donc ça fait plaisir, mais plaisir. Vous ne savez pas à quel point. Et le but de la chaîne c'est pas que je joue tout seul. Enfin les jeux solo, oui je vais jouer tout seul. Mais en fait, un des gros trucs de la chaîne c'est que j'aime jouer avec vous. J'ai vu un truc bizarre au-dessus de ta tête. J'aime avoir vos idées, j'aime avoir en fait votre point de vue sur pas mal de choses. Donc c'est pour ça que lorsque je fais des jeux de simulation, de gestion comme celui-ci, j'aime savoir ce que vous pensez. C'est pareil sur Planet Zoo. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Planet Zoo, je demande énormément de conseils de... Et c'est pas un petit peu... Ouais. Je demande énormément de conseils, énormément de comment ça s'appelle. Enfin, savoir ce qu'ils aimeraient voir, quoi. Sur ce que je fais et tout ça.
150, s'il vous plaît. Et en fait, je viens de communiquer tout simplement avec vous et. Hop. Voilà. Ouais, c'est à la sortie. J'aime tout simplement communiquer avec vous, partager, et puis avancer dans l'aventure. Genre si vous regardez le magasin. 175, 85 centimes pour vous. Si vous regardez le magasin, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait sans vous. Comme par exemple les... bah, plein de choses. La bière, enfin je l'ai dit, hein, la bière, les sodas, le livre, enfin plein d'autres trucs quoi. Donc on va voir si les 56-58 personnes par jour sont toujours 214 le complément. Parce qu'honnêtement, s'il augmente le nombre de personnes vis-à-vis du level du magasin, sachant que je suis level 90, mais vas-y, hein, moi. Et ça va me rapporter du pognon, je vais pouvoir augmenter facilement, récupérer les nouvelles licences, avoir un hyper grand magasin, moi je suis heureux, quoi. Y a pas de souci. Ça vous fera 93,50 et je vous dois 6,50, madame. Tenez. Bonjour, monsieur. Hop, par 4. Est-ce que vous voulez laisser 1€ pour la Croix-Rouge? Oui, en ce moment, il y a ça, le clair. Il faut appuyer sur le V ou sur le rouge pour voir si vous voulez le mettre. Hop, le côté bon. Merci madame. Oh, mais il y a des beaux paniers, je trouve, non? Vous trouvez pas? Il y a quand même des beaux trucs. Alors 183,65 et je vous rentre 16,35€. Monsieur, bonjour. 99,05. 3,40. 1, 2, 3, 40. Madame. Oh, un petit riz steak, pas mal. J'aime pas trop le steak, moi. Vous aimez les steaks, vous? Ah, je trouve que c'est trop smell. Voilà. Je préfère la viande hachée. 208,60, s'il vous plaît. Hop, 57,95, tenez. Madame, bonjour. Ah, faut que je regarde si le gruyère a été mis, j'ai oublié de regarder. Et c'est dingue, c'est quoi tous ces gens? Et j'ai l'impression que c'est réel ce que le TV a dit. Je vais devoir mettre une autre caisse surtout, quoi. Parfait, monsieur, bonjour. 13,30. 3, 13. 10, 20, 30. Monsieur. 9,50 pour vous. Hop. Et 50. Tenez. Madame, bonsoir. Marc, Simon, vous allez allumer, s'il vous plaît. 71,30. Simon, arrête de me regarder avec tes yeux de merlan frit, là, mec. 66,60. Ouais, non, ils sont toujours aussi teubés. Hop. Pas possible, ça. Ah, j'ai un regain d'énergie, là. 54, ça vous fera ça. Enfin, je vous rends 6€. Si franchement, les customers... Ah ouais, non, mais je suis XP de trop et tout. 50, 60, 70... Et toujours plus 5 SP par personne. Non, mais les queues n'en finissent pas, c'est génial. 90, 80... C'est un faux billet, monsieur. C'est trop cool, hein. On dirait un samedi après-midi... en grande surface, quoi. 73, 20. Ah ouais, mais ça veut dire que les trucs vont beaucoup plus vider plus rapidement et facilement, là. Ah, je vais peut-être être à court de quelque chose. Oh my god. Je vais devoir peut-être... agrandir le magasin pour faire des rayons plus grands de trucs. 142, 15. Oh, je crains le pire. 17, 50. 17,70. Madame, bonsoir. Oh, j'ai peur. J'ai peur, le rayon livre. Oh, vous avez vu le rayon livre? 8,60 pour vous, madame. Regardez. Il en manque plein. 14, tenez.
Ah mais waouh! Je suis submergé! 63 70. 60, 70. Ah j'ai un. Ah non, j'ai cru que j'avais un chenille sushi. 140,95. Monsieur. Ok. 15,30. Bonjour. Ah ouais. Oh, je pense que la quatrième caisse est préférable. 1,55. Attends, combien? 240 dollars, vous m'avez fait. Génial. $142,95, madame. Tenez. Et bonsoir. Alors. Mon magasin va être vidé, mais comme jamais, quoi. 104, je vous rends 50 centimes. Ah, pourquoi j'écris sur le pavé numérique? Ah non, et 50 dollars, faut pas déconner, là, mais. 10, 25. Ah, ils sont chers, mes bières, dis donc. J'ai vu personne écrire. Les caisses sont pleines. Hein. Ah, si, là-bas. Bah, voilà. Celui que je dise pour que. Voilà. 203. Waouh. Regardez, il y a des trucs là-bas qui sont vides. Oh la vache. Attendez, mais je vais devoir vraiment tout changer et mettre un produit par rack là ou quoi là? Comment ça se passe? 4, 80, 1, 2, 3, 4, 50. Je suis en panique là. Je suis grave en panique là. Vous vous rendez pas compte? Je me dis. Les caisses sont pleines. Mais oui, elles sont pleines. T'as vu ça, frère? Comment elles sont pleines? Wesh. Attends, mais c'est quoi le délire? Ouais, faut que je mette. Ah, faut que je mette un nouveau salarié et tout en plus. 0 dollars. Allez, normalement, vous voyez là, ça fait plus de 10 minutes qu'on est dans le jeu là. Enfin, en journée, je crois. 189, 10, 40 pour vous. Tenez. Quoi? Attendez, 10, 1, 30, 40. Normalement, là, on aurait fini la journée là. 126, 50. Po, po, po. Ah ouais, fais voir les livres. C'est bon. Ah, les trucs pour animaux. Ah, je les vois plus. 220, RS450. 1, 2, 3. 50, tenez. Wow, 37, 45. 20, 30, 32, 37. 25, 30, 35, 45. Voilà. Monsieur, on arrive à la fin. Enfin, je crois. Quoi, vous avez un tapis de l'infini là? Oh, regardez le shiny! Oh, j'ai un shiny légendaire! 4, 5! J'ai mon premier shiny légendaire! Vous avez vu? Oui, il y en a qui aiment pas que je dis shiny, tout ça. Enfin, il y en a qu'un. Je suis désolé, il y en a qu'un. Eh bah, tant pis. Ah, c'est pas fini. Mais moi, je suis content, j'ai mon shiny légendaire. Punaise, mais j'ai gagné combien? Waouh! Ah ouais, mais vous m'avez tout dévalisé là, les gens là. 3. Oh, j'ai battu mon record. 368,25. J'ai battu mon record. Waouh, la mâche de ouf. Alors attendez, on va voir les massacres. Ok. Ok. Oh, chaud, chaud, chaud le gruyère. Chaud, chaud. Oh, la viande aussi, elle part pas mal. Ouais. Les restos. Heureusement que j'ai les 4. Heureusement que j'ai les 4. Alors, oh là! Oh là là! Ah, ça part de trop! Ah, la dernière fois que j'ai eu ça comme. Ah oui! Ok. Ouais, on arrive quand même à gérer. Ah, le ketchup a pris une claque! Oh là là! Oh le riz! Oh sa maman, le riz! Oh les pâtes! Waouh! Alors, le sucre, ouais. La farine, je suis étonné. Farine, je suis étonné. La bière, ok. Ouais, ok. Ça, ok. Wow. Ah, c'est Tendax, hein, quand même. Fais voir, il te reste quoi, Marc? Fais voir, t'en es où? Ou alors, ringard, et moi, j'ai fait 300 et des poussières. Toi, t'as rien fait. Et j'ai eu un shiny légendaire. Oh, les noobs. Et 57 dollars. 57 000, on a pris quoi? 7, 8 000? Attendez, on va voir. 99 clients! On a fait 10 000 de recettes! Ah, mais oui! Ça change tout là! Alors. Je suis content. Je suis content. Je
suis content. Je suis content. Triangle produit nettoyant. Non, c'est ça. Qui est mis à 3. 360, on met? Ouais. Alors, le truc. I'm happy, but je m'attendais pas à ça. Parce que du coup, comment je vais faire? Est-ce que 2 jours sans restockage, ça ira ou pas? Parce que là, je me suis fait dévaliser, mais pire qu'un Black Friday sur du Nutella, quoi. C'est ouf, quoi. Bah, du coup, je vais les aider. Je suis obligé. On va faire quoi? On va faire les sodas. Soda, 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 oui. Franchement, la mâche top. Et là, par contre, on va pouvoir se questionner et réfléchir de nouveau sur l'installation en fait du partage des comment ça s'appelle? Du partage des étagères, des box et j'en passe, des frigos. Parce que est-ce que ça voudrait dire que maintenant, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, les clients achètent plusieurs fois donc le même produit. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir mettre du coup une armoire, une étagère par produit? Ça, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. On va voir ensemble en fait s'il y a des gros gros changements. Pourquoi j'ai 2 trucs de crème, je ne sais pas. La crème apparemment elle a bien tenu. J'ai pas eu de par rapport au comment ça s'appelle? Au... Hop. Par rapport au journal de fin de journée, il n'y a aucun produit qui manquait à l'appel. Le rack est plein. Bon, ok. Donc je me dis que pour le coup ça avait plutôt bien tenu. On va continuer à voir si ça tient bien. Mais moi ça, bah, ça rajoute un peu de difficulté. Mais moi ça me fait plaisir, en fait. Moi j'aime. Pourquoi? Bah parce que comme ça au moins j'ai une bonne excuse pour agrandir mon magasin. Parce qu'il me faut de la place du coup pour pouvoir mettre d'autres produits. Faut mettre les nouveaux produits, mais il faut pouvoir remettre les anciens. Faut refaire un rayon bonbon. Peut-être ça a bien marché là. Ouais, le café par contre il a pris cher quoi. Il a pris tellement cher. Le café, sa maman, waouh. Mais ouais. Franchement, cette mâche, elle fait trop plaisir. Pour la caisse supplémentaire, honnêtement, je pense. Et puis l'XP, on a grave XP aussi, non? Honnêtement, je pense que tant qu'on n'a pas un malus pour trop de monde en caisse, moi j'en ai pas vu hein, de malus. Je pense que je vais laisser comme ça en attendant d'agrandir. Quand j'aurai agrandi, je pense que je mettrai 5 caisses, enfin 4 caisses plutôt. Et on verra par la suite. Mais ouais, c'est. Franchement, une belle mage qui rajoute un peu de challenge. Oh, faut que j'achète du café quoi. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu les trucs vides de café. Ah. Ça tiendra un jour. Le restockage, je le ferai peut-être de mon côté en fait. Là, on va mettre les produits ensemble. Alors, quoi que je vais devoir en acheter parce que je crois que le. Ouais. On va prendre le pain sandwich, je sais pas s'il en reste. Il n'en reste que 5. Le pain de mie. Ah ouais. Ah ouais, c'est sur 3 trucs. Ah ouais, ah, je suis à la dèche. Est-ce qu'il m'en reste ou pas là-dedans là? Ah, pas du tout. Allô, c'est mort. Ah ouais. Oh là 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 là. Les pâtes. C'est en train d'être mis. On va faire le riz éco plus. Ah ouais, non, non, une très très belle mâche. Ah moi je kiffe. Et vous savez, il y en a qui vont gueuler.
Parce que du coup, d'une, leurs modes seront plus possibles. De deux, comment ça s'appelle? Ok, un temps de maturité. De deux, je sais pas. Ah oui, de deux, il va falloir changer pas mal de choses pour que ça soit plus simple pour eux, quoi. Ils vont pas y arriver, ils vont trouver ça trop dur, ils vont dire ouais, rendez-nous-le comme avant, blablabla. Alors que non, 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 continue comme ça. Ça a un rush, enfin, quand il y a plein de gens, c'est du rush, c'est cool. Moi je suis ok, hein. Y a pas de souci. Voilà, je remets en rayon, j'espère que ça fait plaisir à certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui voulaient revoir ça un petit peu de temps en temps. Là, j'ai pas trop de choix. Autrement, je peux pas faire. Ah, c'est du vin que j'ai pris. Mince. Autrement, je peux pas faire l'inventaire. Y en a encore? Ouais. Tac, tac, tac. Une bouteille de vodka dans un carton, quoi. Ah bah oui, ok. Pouah. 101 clients du coup, pas 99. Parce qu'il y en avait 99 et 2 qui étaient pas contents. Ouais. Ah, les livres, ils ont pris cher. Ah ouais. Ah ouais. Ah les pâtes. Ah ouais, ça a pris tellement cher. On va mettre le sucre rose. Une boîte là justement. Ah, il n'y a plus de pain. Bon, déjà, on va mettre du pain. On va mettre du pain. Marché. Pain, il en faut deux. On va mettre de l'eau blanche. Il en faut deux. Un petit coca, hop, soda, coca rouge, ok. De la farine blanche. Pommes de terre. Donc là, je fais du gros, hein. Comment, enfin du gros. Hop. Je prends. Waouh, la soupline. Je prends ce qui manque le plus pour pouvoir. 1, 2, aller au plus vite faire. Alors là, le premier qui me dit ouais, tu peux ouvrir les caisses pendant que tu fais ça. Non. Ah, ok. Non. Javel. M'a fait peur. Papier toilette vert. Un, deux, un papier toilette bleu. 1, 2, 1, voilà. Ici, 2, 1, ok. 1, 2, 1, 1, 2. Ok. Allez, on va tester tout ça. On va les mettre. On va voir si
Si on peut survivre une journée avec tous les clients qui vont arriver. Et si c'est le cas, on va de nouveau faire une journée à... Ah punaise, et franchement, je suis mais trop trop content quoi. Je suis joie. Ça c'est là-bas, non? Là. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est génial. Cette mage est extraordinaire. Et par contre, par rapport à la sortie de la mage, du coup, j'ai déjà tourné la vidéo du soir, la vidéo de demain matin. Donc en gros, c'est la vidéo de demain soir. Enfin, du coup, enfin oui, vous avez compris. Pourquoi je l'ai mis pris ça? J'en ai pris deux? Pourquoi? Là. Ça va là-bas. J'attends que mes petites Teletubbies. Ah, j'en ai pris en trop. On finit. Et je vais pas m'en sortir. Et du coup là, tous les gens qui avaient une save avec des mods, ben ils l'ont dans l'os du coup. Il va falloir attendre la mise à jour des mods. Coup, je suis très content de pas avoir de 1000 mods pour l'instant. Et n'oubliez pas, si vous voulez changer de save. Et il faut tout simplement désactiver le Steam Cloud sur votre jeu pour désactiver la sauvegarde automatique sur les serveurs. Et moi, j'en ai pas besoin. Ils ont bientôt fini ou pas là? C'est chiant. Ah, ils ont fini. Quand ils passent par là, c'est qu'ils ont fini. Tac. Peut-être qu'ils vont mettre de la farine. Ouais, ils vont mettre de la farine. Donc je vais aller la mettre. Voilà. Ok. Bon. Les restockeurs ont fini. On va voir le massacre de ce côté-là. Ok. On va prendre des gros sushis parce que là pour le coup il n'en reste plus que deux. Donc ça on est obligé d'en prendre par contre. 1, 2, 3, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça je vais le garder pour l'instant, on s'en fiche, ok. Et on va prendre un pot de pâte. Je crois que j'en ai besoin d'un de ça. Hop, pat pat. On va regarder les trucs d'animaux aussi. Ouais, non, c'est là. Ici, on va prendre de la bière bleue, du whisky. Alors, bière bleue et du whisky. Avec un W. Combien de bouteilles? Une. La vodka bleue. Il m'en faut pas de la rouge par hasard. Faut, je peux en prendre un paquet. Ici, toc toc toc. Ici, ça ira. Et en surgelé. Ah, en surgelé, il faut.
On va enlever la vodka rouge. Et on va prendre du mix végétarien. Il nous faut deux. Yes. Hop. Et du coup, là, on va pouvoir ouvrir très prochainement. Ah, apparemment, faut aller mettre de la bière. J'en ai pris beaucoup de bière ou pas? Il va falloir que je regarde. Ah, c'est pas des Saint-Jacques ça? Ah, punaise, des Saint-Jacques. Voilà. Tac. On va juste prendre deux trucs de bière bleue là, histoire qu'on soit tranquille et puis on va ouvrir. Ah bah du coup normalement on va dépasser largement les 60 000 quoi. Ah oui, mais il faut que je paye mes factures. Je vais ouvrir, je paye les factures. Je vais voir si le prix avait diminué, mais non. Bon ben voilà, c'est parti. Petite journée ensemble encore. On va se faire dévaliser sa maman. Allez, mesdames et messieurs, venez à ma caisse. Ils ont. Bah oui, c'est moi qui mets le grillage, quoi. Ah, les frites. Il y en a. Allez, bossez, mes petites fourmis, bossez. Comment ça vient, ça pullule de partout. C'est trop fort. Monsieur, bonjour. Hop. 19 dollars. Madame, bonjour. 54,80 si vous voulez. Monsieur. 46,15. Suivant. Ah bah, suivant. Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre les 63 000 et le niveau 91? Imaginez. Parce que techniquement, on a quasiment le double de clients par rapport à avant, quoi. 51. Alors, vous me donnez 100, je vous rends 51,20. Monsieur, bonsoir. Parfait. 113. Tout pile. Suivant. Monsieur. 39,30. 39,30. Bonsoir. Enfin, bonjour plutôt. On n'est pas encore le soir. La patate. 104,85 et je vous rends 15 centimes. Tenez. Ma caisse est ouverte, hein, messieurs, dames, au cas où. Voilà. Bonjour. Alors, 190,50.
Madame. 142-30. Oula, j'ai frappé dans le micro, je suis vraiment désolé. Ça fait un bruit horrible. À 65-45, le compte est bon, merci. Madame, ma caisse est disponible. Ok. €242, nickel ça. Madame, bonsoir. 77-15, le compte est bon. Monsieur. 140,75. Parfait ça. €230,60. Monsieur, bonjour. Ça sent le petit apéro, enfin le petit barbecue steak. 197,40. Waouh. 233,20. Ah, les caisses sont pleines. Waouh. 142, toujours en 17,5. Monsieur, bonsoir. Parfait, ça. 146,85. Suivant. Hop. Ah. Je vais allumer la lumière. J'arrive. Je vais quand même pas payer un employé à allumer la lumière quand même. 84. Oh, c'est un faux billet. Je suis sûr que c'est un faux billet. 94, 50, 60, 70, 80, 85. Oui, les caisses sont pleines, je sais. Ah, j'arrive pas à prendre la bouteille. Merci, 183,10. 1,90 pour vous. Parfait. Monsieur, bonsoir. 46,75. Tenez. Parfait. Ah, j'essaie de me dépêcher. Hein. 4,85. 1, 2, 3, 4, 50, 75, 85. €109,50. 55,20. Ah, ok. 5,30. Il me faut d'autres caisses. 0,4. Ah mince. 50,75,85. €185,65. Tenez. Parfait, le compte est bon. Merci, monsieur. Bonsoir. Waouh. On a de la bière. On a de l'alcool. 259,45. Tenez. Madame. Non, monsieur, pardon. 46,70. 110,55, tenez. Monsieur, bonsoir. 242,40. Oh, les paniers sont ouf, quoi. J'adore. 61,40. 2,75. 50. Hop. Et il y a encore plein de monde, c'est 15,45. 15,45. Le compte est bon, merci, madame. Monsieur. 54,20. Tenez. Madame. Ah, votre carte. 80,40. Bonne soirée, monsieur. Ah, petite soirée sushi, bière avec des potes. Ça a l'air sympa. 1,20€ pour vous. Bonsoir.
360, 1, 2, 3, 50 et 60. Monsieur. Nickel, le compte est bon, merci. Trois virgule 203,90 et 46,10 pour vous. Monsieur, bonsoir. 130,30. Je pense pas que je vais faire du 1,100 hein, là, honnêtement. J'arriverai pas à prendre une seule caisse, rien que bon, voilà. 15,55. 134,90. Waouh, comment ça se vide, mais tellement vite. 98,20. 1,80 pour vous. 50,70. 80. Venez. Hop. 75,50. 145, 65, on est déjà à 64 000 et on a bien avancé le niveau 90 quoi. C'est génial. 252,15. Monsieur, vous êtes mon dernier client je pense. Ah non pas du tout, il y a des gens encore là-bas. Ah non pas du tout, ils sont bons. 187,60. Pouah, fais voir comment ça a été vidé. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, va falloir réfléchir là, monsieur Stam. Va falloir beaucoup réfléchir. Ah ouais. Ouais. Le papier toilette et le sopalin, ils tiennent bien en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Je range un petit peu. J'ai payé mes factures. Alors, gestion, facture, oui j'ai tout payé. Ah, on va bientôt y arriver. Oh, il m'a fait peur. Punaise, bordel. Alors, t'as combien 56. Ça 66. Ah mon 0 SP, il a pas trouvé de chips. Quoi? Oh. Bon, bah je pense que vous avez compris ce que ça va. Je vais devoir faire quasiment une étagère pour chaque machin, je pense. Pour le coup, je pense. Va falloir trouver un moyen de réaménager tout le magasin. On va déjà agrandir ce côté-là. Pour que je puisse mettre ça sur le côté. Et ouais, on va faire chose par chose. Mais ouais, on va devoir le faire. On va devoir le faire pour certains, ça c'est sûr. Pour les chips en l'occurrence. Ouais. La bière, elle tient bien. Ouais. Bon, on va réfléchir. On va expérimenter ensemble du coup maintenant vu que ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. Et bah d'ailleurs on va passer la journée. Combien de clients? 96, il y a 100 clients au total. Un produit non trouvé et 3 produits trop chers. Ok, on a fait 11 600 et on a fait un profit total de 8 000, ce qui est énorme. On va commencer une nouvelle journée. Au Javel, livre, côte de veau, chips.
Livre, côte de veau, chips, haute javel, livre, côte de veau, chips, haute javel, livre, côte de veau et chips. Mais trop de ouf. C'est lequel de livre? C'est ça mon problème. Neuf trente cinq. Voilà, bref. Wow, on s'est fait dévaliser quand même. Nous, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.